Les 11 et 18 juin prochains, vous serez appelé à choisir celui ou celle qui représentera notre territoire à l'Assemblée nationale. Je suis né et j'ai grandi ici, sur cette circonscription, et j'ai décidé d'y faire ma vie. J'ai décidé d'y faire ma vie parce que j'aime ce territoire, et c'est pour cela que je vous présente ma candidature pour être votre futur député. Après 20 ans, durant lesquels Germinal Peiro a porté la voix de ce territoire avec efficacité et sérieux à l'Assemblée nationale, c'est fort de son soutien que je me présente face à vous. Je crois en une vision dynamique, innovante et vivante de la ruralité. C'est ce que vous vivez au quotidien, c'est ce que nous vivons au quotidien. Et cette ruralité a besoin d'être défendue. Elle a besoin d'être défendue ici, sur notre circonscription, et surtout d'être défendue à Paris. Nous devons demain, à Paris, porter la voix de cette ruralité, la voix de nos agriculteurs, qui connaissent aujourd'hui des difficultés sans précédent. La voix de nos chefs d'entreprise, qui créent sur nos territoires des emplois, qui créent de la richesse. Nous devrons défendre sans hésiter la question des services publics. Les services publics sont la garantie de lutter à la fois contre la fracture territoriale et contre la fracture sociale pour notre pays. Notre circonscription, peut-être plus que les autres, mesure chaque jour à quel point nous avons besoin de services publics efficaces, de services publics présents partout sur le territoire. Cela va de l'hôpital de Sarlat, que nous devrons défendre inlassablement, à la question des écoles en zone rurale, qui sont aujourd'hui un combat de tous les instants. Ces zones rurales-là, de notre pays, ont besoin de représentants efficaces, sérieux, dynamiques. C'est ce à quoi je m'engage durant le mandat qui s'ouvrira si demain vous me faites confiance. Je vous propose donc de faire un pari, le pari du renouvellement, le pari de la jeunesse, le pari de l'audace. Donc dès le 11 juin, votez et faites voter massivement pour nous.